Salut à tous, c'est un détail, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Nova Life. Donc dans cet épisode, je préfère vous prévenir, un gros disclaimer avant que la vidéo commence. On a beaucoup plus cherché à s'amuser qu'à faire du RP. C'était vraiment histoire de, voilà, de profiter, déconner. On s'est dit qu'on allait un peu embêter les policiers pour voir ce qui s'est donné. Donc désolé pour ceux qui veulent vraiment du RP sérieux à mort. Là, c'est pas du tout ce qu'on a fait. On a vraiment voulu déconner. On est resté un peu RP, mais c'était vraiment la base de, voilà, plaisanter, rire. Et tant pis si le RP n'est pas respecté à mort. Le RP sera beaucoup plus sérieux dans les prochaines scènes, dans les prochaines vidéos. Donc vraiment, c'est un peu un épisode spécial celui-ci. Donc pour tous ceux qui veulent vraiment du RP sérieux, bah dans ce cas-là, vous pouvez changer de vidéo directement. Je vous encourage à le faire. Parce que sinon, ça va vraiment vous heurter. Merci à tous ceux qui resteront. Et je vous souhaite une bonne vidéo. Gizmo est encore en train de prendre tarif. De véhicule, s'il vous plaît. Même le passager ? Oui, même le passager. Très bien, très bien. Je m'exécute. Oh, pourquoi ? Il y avait un gros demi-tour au milieu de la route. En sécurité. Alors, le conducteur... Le conducteur, s'il peut venir, s'il vous plaît. Alors, le papier, s'il vous plaît. Non, monsieur le passager, s'il vous plaît. Non, mais... Je suis désolé, j'ai fait un demi-tour parce que en fait, j'ai cru avoir oublié mes clés, en fait, chez moi, et... Et du coup, enfin, j'ai vraiment pas fait gaffe, j'ai vu qu'il y avait personne, du coup, j'ai tenté de faire un demi-tour. Monsieur, mais demi-tour, vous êtes en route. Non, mais je suis désolé, vraiment, ne verbalisez pas, quoi, franchement, ce serait con. Ah bah, monsieur, si. Oh, s'il vous plaît, soyez sympa, là. Nous vous présentons nos plus pâles excuses. On va essayer de gérer ça. On vous applaudit tous les soirs à 20h. Ah, tous les soirs à 20h, sans exception. Ah oui. Très beau métier que vous faites, là, hein. On essaye de tâcher les côtés. Tous les soirs à 20h, sans aucune exception. Tous les soirs à 20h, on vous appelle. Tous les soirs. Absolument tous les soirs. Peu importe ce qui se passe, tous les soirs à 20h. Même des fois quand ma femme dort à 20h, j'applaudis à côté d'elle, c'est pas grave. Ça doit être... J'ai pas pris le papier du passager. Ah, allez-y, je vous en prie. Oui, on a saisi ça, monsieur. De rien, ça m'a fait plaisir. On vous applaudit tous les soirs à 20h aussi. C'est tout bon du coup. J'ai pas l'impression que ça les touche plus que ça. Monsieur, vous pouvez remonter dans votre véhicule. En tout cas, je sais comment vous parlez. N'oubliez pas, vous faites un trop métier et on vous applaudit tous les soirs. Ce serait bien de fermer le coffre. Hein. Franchement, c'est pas cool là, les gars. C'est pas moi qui l'ai ouvert. Hein. C'est ça. Tous les soirs à 20h. Vas-y, attends, faut que tu les suives pour leur dire qu'on applaudit tous les soirs à 20h. Vas-y mec, on les suit et on les harcèle. On n'arrête pas de leur dire quand ils s'applaudissent tous les soirs à 20h. Attends, vas-y, suis-les en secret parce que s'ils mettaient Giro, il y a peut-être une intervention. Oh, t'arrêtes plus, mec, roule. Attends, vite. Vas-y, roule, vas-y, suis-les. Il y a peut-être une inter, faut qu'on chope l'info là. Oh putain, oh. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, Gizmo? On a bloqué la route. Oh non. On a bloqué la route. On applaudit tous les policiers tous les soirs à 20h. Manif, on fait une manif. Vas-y, roule. Prends ta route, il y en a, il parle du nez, mec. Il y en a un mec qui a une angine du nez, c'est pas de ta faute. Tous les soirs à 20h, on vous applaudit. Le soir 20h, on vous applaudit. Monsieur, circulez, s'il vous plaît. Circulez, 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 le soir 20h. Il était dans la voiture publique. Tous les soirs 20h. Ah, j'en peux plus, tu me fumes. C'est plus possible. Attends, on va faire un nouveau truc, mec. Maintenant, on passe, on fait genre, on passe par là, tu vois. Et on discute. On dit, au fait, tu sais, dans la discussion, on discute de tout. Puis on fait, au fait, est-ce que toi aussi t'as pas dit tout ça à 20h? Ralenti. Ouais, donc tu vois, j'étais tranquillement. Ah, tu en fait, est-ce que t'as pas dit tous les soirs à 20h la police? Ouais, j'ai dit tous les soirs à 20h. Ouais, bizarre, ouais, donc. Il a fait une TV en fait, ça met. La population française me dit à 20h. Ah, mais c'est important, c'est important. On va vous amender parce que c'est bon, je crois que vous avez pas compris depuis tout à l'heure. Je pensais pas que vous nous entendez. Oui, je pensais que les camionnettes étaient bien insonorisées. Attends, maintenant tu repasses, mais genre, tu passes lentement, mais tu bouges quand même. Et tu parles de genre, je sais pas, d'un plat cuisiné, puis duquel, qu'à 20h on les applaudit.
Mais tu vois, alors je t'ai déjà dit, en fait, tu mets du paprika. Ouais, du paprika, c'est meilleur. Du cassoulet. En fait, je mets du paprika dans le cassoulet. Ah, dans le cassoulet direct. Ouais, dans le cassoulet, ouais. C'est pardon, excusez-moi. Non, je... descends du véhicule tout de suite. On va faire demi-tour. Non, ah, Gizmo, va stopper une amende, Oh là, on est mort, mec, Le temps que tu démarres, c'est foutu. Allez, c'est bon, go. Vas-y, barre-toi, Gizmo, Allez, barre-toi. Mais roule, mec, roule, ils arrivent, roule. J'arrive, j'ai du mal. Ah, c'est bon, en vrai, ça va, ils suivent pas, hein. Ils ont juste direction, genre la voiture. Maintenant tu passes de l'autre côté de la rue, tu sais, genre tu passes vraiment sur le côté de la rue et tu fais genre, tu vois. Genre on s'est retrouvé là par hasard. Oh merde. Ouais, c'est pas grave. Ah t'es, mec, t'es sur la réserve ou quoi, non? Non, je crois qu'il y a un truc qui a pété dans le camion. Ouais, c'est pas grave, c'est la voiture du boulot. Attends, mais tu sais, la dernière fois, je regardais Philippe Etchebest. Et lui, il mettait pas de paprika, hein. Ouais. Etchebest, ouais, il disait ça, non. Non, mettez pas. Il mettait ça un peu dans du cassoulet. Et ça, franchement, c'est super, quoi. Parce que. Non, Philippe Etchebest, voilà, mettez pas ça. Non, mettez pas, hein. Putain, mec, ils sont patients. Franchement, les flics, ils sont patients, là. Vas-y, mec, on les suit. On fait quoi? On va réparer le camion ou pas? Parce que c'est un peu. Vas-y, va réparer le camion. Ah, la barre d'horreur, quoi. Oh, y a les flics là-bas. Vas-y, on recommence. Arrête et on parle. Mais je t'ai déjà dit, c'est Attends, mais vas-y, tape un gros drift, tu fais un gros demi-tour et on y retourne. Attends, vas-y, on est à côté, sinon on répare vite fait, hein. Comment ça, le moteur il démarre plus? Bah, je sais pas, pourtant j'ai bien changé toutes les pièces et le moteur il veut pas démarrer. Attends, bouge pas, j'inspecte le moteur. Vas-y, ah mec. Ouais, nickel. Ça marche. Ah, super. C'est bon, vas-y, monte. Merci, les gars. Allez, merci. Allez, bonne soirée à vous. Merci. Allez, merci, mec. Allez, on part en virée. Vas-y, mec, on va parler aux policiers et c'est important de leur dire qu'on les soutient. Vas-y. Et que tous les soirs à 20h, on les applaudit. Je pense qu'ils sont par là, attends. Mec, tu sais que là, la photo, je vais pouvoir la vendre cher, je pense. Hein. Eh, ça, si tu te fais flasher avec la voiture du boulot, c'est le boulot qui paye. Attention! Ouais. Oh, ça va, rien de bien méchant. Un bien méchant! Ça va? Ouais, ça va. Bon, super. Le mec, je l'engueule, c'est ma technique. Tant que tu l'engueules, il est pas à l'aise du coup. Ça va? Ça part en couille, là, ça part en couille! Ah si, mec, et si on essaie de faire un truc genre on arrive devant les flics et on hurle je perds le contrôle et qu'on fait exprès faire des zigzags et on fait un gros dérapage. Vas-y. Tu crois que ça passe ou pas? Vas-y. Oh, je suis chaud. Tu vas faire ça toi? Putain, mais Gizmo, t'es beaucoup trop chaud. Ah mais moi je suis chaud, vas-y. Attends, faut juste qu'on les trouve. Ouais. Tu vois, genre je perds le contrôle. Encore un problème de moteur. Mais oui, mais t'arrêtes pas de taper des trucs. Eh mec, tu sais quoi? Sinon, on va voir les... À mon avis, il y aura des gens au bûcheronnage, là. On va voir des gens, on leur propose du taf. On va où, là? Je sais pas, je proposerais bien d'aller... C'est super chiant, la sonnerie. Je proposerais bien d'aller au camp de bûcheron à Sorcy, d'aller voir du monde. On leur propose du taf et tout, tu vois. Et genre... Ou alors de nous appeler patron et tout, tu vois. Genre au monde notre agent de détective privé, tu vois. Vas-y, mec, fais demi-tour. Non, il a bloqué le camion. Oh non. Non, on est en panne. Mais mec, tu conduis tellement mal. Oh non, le camion. Mais mec. Oh non, vas-y, attends. Vas-y, ouvre le capot, mec. Et c'est le camion de la boîte. Il marche. Oh non. Non, il marche. Juste, il faut qu'il nous pousse. Vas-y. Ah, excusez-moi, monsieur. Ah, laisse tomber, il roule trop vite. Oh non. Monsieur, excusez-moi. Trop tard. Ah si, je crois qu'il s'arrête. Alors, on va tenter. Ouais, merci beaucoup, vous êtes arrêté, c'est très sympa.
Notre camion est un peu bloqué, est-ce que vous auriez l'aimabilité de nous pousser un petit peu s'il vous plaît pour qu'on puisse se remettre sur la route? Ouais, j'ai l'air ça. C'est bon, on a trouvé un gars sûr. C'est abusé. Encore un peu ou pas? Vas-y, essaye. Oh, ça part en wild. Encore un peu, encore un peu. Prenez d'élan. Allez-y, foncez, foncez. Ça marche plus. Merde, ça marche plus. Ma mère, merci beaucoup. Alors, d'où vient le problème? Je sais pas. Attends, laisse-moi inspecter le moteur. Camion de merde. Surtout c'est le camion d'aboîte. Vas-y, ouvre le capot, mec, ouvre le capot. Ok, bouge pas, je vais tenter d'inspecter tout ça. Oh là là. La batterie, ouais, bon état. Ah, c'est les bougies d'allumage, mec. Les bougies d'allumage sont mortes. Bah sinon, si les bougies d'allumage sont mortes... Sinon, on... Appel d'urgence, ouais, c'est ambulance. Appel d'urgence, c'est un appel d'urgence pour ça. Ah bon, bah dégagez, si vous servez à rien, dégagez. Vous faites un travail formidable. Hop, plus vite. Et bah sinon ce qu'on fait c'est que le monsieur qui est sympa là, il nous dépose à la station service racheter des bougies d'allumage et nous ramène là, s'il veut bien. Vas-y, allez, carrément. Merci, t'as un frère, mec. T'as un frère. C'est quoi ton prénom? Benjamin, ok. T'as un frère. T'es comme Benten. Ah bon, tant pis, j'ai tenté. T'as un frère. Vas-y, les bougies d'allumage, je te les paye si tu veux. Vas-y. Non. C'est quoi ton prénom? Benjamin Drake. Ok. Ah, tu prends un total, tu prends des courroies aussi. Prends une courroie et une batterie s'il te plaît. Vas-y, carrément, vas-y, c'est quoi, c'est toi qui paye là? Allez, vas-y. Allez, vas-y. Putain, mec, la blague elle m'a coûté 500 balles. Oh. Oh. Putain, la blague elle m'a coûté 500 balles. Maurice. Ça va, c'est que Benjamin il m'a dit qu'il voulait bien nous aider à payer. Les réparations du véhicule. Oh, t'es un frère. C'est un frère. Oh, t'es un frère. Du coup, j'en ai pour 500 balles. On fait moite-moite. On va être écraté. Tu sais, ça, t'es un frère, mec. Ben, t'as un frère. C'est un frère. Allez, là-bas, le camion. On remarque ça. Les camions PLS là. Oh, un petit drift à Fast and Furious. Oh, quel beau gosse, Ben. Voilà. Quel beau Merci gosse, beaucoup. Ouais, on te paiera plus tard. T'inquiète, bah attends, sur ça réparé, on te paye après, t'inquiète. Ouais. Salut, mec. Salut, mec. Attends, je te file les pièces quand même. Bah non, vas-y, tu peux les mettre, je pense, directement. Tu peux inspecter le moteur. Ouais, mais je crois pas que je puisse changer les pièces. Bah attends, vas-y, au pire, j'en Ah si, attends, pièces, bouge pas. Non, c'est bon. Vas-y, mets. Batterie neuve. Vas-y, mets. Une bougie d'allumage et une courroie. Bah mec, le reste des pièces, faut les mettre aussi, là. Faut les mettre aussi. Allez, hop. C'est bon? Attends, j'ai pas tout acheté non plus, j'ai pas tout refait à neuf, hein. Ah bon? Oh, je ah bah non. Mmh. Oh bah, t'aurais vu le prix que ça m'aurait coûté. Oh, c'est toi qui paye. Voilà, normalement c'est bon, tu peux démarrer là. Ouais, nickel, c'est bon. Bah voilà. Attends, mec, roule avec le capot ouvert. Vas-y. Et tu passes devant les flics. Attends, j'avais une idée. Attends. Ah oui, tout ouvert. Et tu passes à côté des flics. Et tu fais genre, on parle de tout. Comme ça, c'est dur. Ça me fume, cette idée, c'est pas possible. Allez, c'est parti, mon gars. Mec, c'est pas RP du tout, hein, ce qu'on fait.
Ok, vas-y. T'as pas un gros drift quand tu les vois. Oh, t'as été flashé. 200 balles. Mec, t'as été flashé. Ouais, 200 balles. Oh. Oh, t'es chier. Vas-y, roule, 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 roule. Drift. Oh. Mon dieu. Oh, oh mon dieu. Oh. Oh. Je suis mort là les gars, je suis censé être mort. Oh, oh la lumière blanche. Voilà, allez, allez. Oh non. Le gars il est mort. Ça oh j'ai mal. Oh. Les gars, ils oh. Ah j'en veux plus, c'est plus possible. Oh. Pourtant on avait tout. On avait toutes des visibilités hein, pourtant. Bonjour monsieur Lucky, attendez, j'ai eu un accident. Oh, oh madame Jackie, attendez, oh, j'ai mal. Vous êtes choqué. Oh, mais monsieur, qu'est-ce que vous faites avec votre, avec votre capot ouvert? C'est une nouvelle façon de conduire. Oh là là, c'est pas la meilleure des façons en tout cas. Ah, mais je vous assure, c'est la méthode américaine, c'est nouveau. Vous allez bien sinon? Enfin, les bougies. Un petit peu chamboulé, hein. Ouais, j'imagine bien. Ouais. Vous savez, je suis psychologue, si vous avez besoin de parler. Oh. Faites attention à vous. Bah écoutez, monsieur Lucky, ça va plutôt bien et vous? Ça va, vous êtes pas blessé, j'espère? Ouais, écoutez, ça va. Petite égratignure, mais ça devrait aller. Oh, c'est adorable. Elle est beaucoup trop gentille. Ah bah ça va peine arriver, des accidents. Faites attention, Madame Jackie, c'est quand même un peu ma prédestinée, quoi. Ah mince, moi je, justement j'avais un peu flashé sur elle, j'ai pas vous mentir. Ouais. Maintenant pas des bougies d'allumage. Elle a un certain charme, on est d'accord. Ah mais complètement, quand j'ai entendu sa voix mélodieuse, je suis tombé sous son charme. Elle a un tour rassurante. Ouais, elle a une voix de velours. Madame Jackie, vous pouvez inviter ces personnes à manger chez vous? Ah mais oui, on pourrait manger tous les quatre. Un panier à salade sur la tête. Ah oui, un pique-nique. Après si vous voulez faire un petit pique-nique, vous avez besoin de bougies là, ça va pas trop. Ouais. Ah bah ouais. Ça tombe bien. Eh merde. J'en ai sur moi. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il y a des bougies, messieurs. Oh voilà, les bougies de la chère. Oh là là. Vous en faites pas, oui. J'en ai sur moi. Ah bah regarde. Oh putain, dommage. Oh, zut. J'ai même une batterie et une courroie de distribution. Ah oui, vous êtes. Oh là, 50 balles le sac. Je ne voyage jamais sans ma courroie. Ah bah y'en a, je connais, c'est sans préservatif, mais y'en a c'est sans courroie. Hein. Ah moi je vois, vous savez, chacun sa taille. Ah bah oui c'est vrai. Donc du coup on se fait un petit pique-nique tous les quatre. Peu importe la qualité, elle sera 70 balles. Oh bah je sais pas, c'est pas moi qui vends. Hein. Voilà. Eh madame Jackie, vous voulez pas offrir la mousse à chocolat monsieur Béchard? Ah bah avec plaisir, je vais offrir une bonne petite mousse au chocolat, monsieur Béchard. Allez. Ah Kenka, une maison, on a qu'à se faire un grand apéro. Et tiens, tant qu'on est chez vous, faites-nous visiter votre demeure. Ça va la voiture? Oh monsieur Béchard, j'ai le bus là-bas, il est fermé, vous inquiétez. On vous suit, madame Jackie, et on se retrouve chez vous. Ah bah allez-y. Attendez juste que la voiture redémarre. Mec, on a invité à manger une mousse au chocolat chez madame Jackie. La tournure que prend cet épisode, je ne comprends plus. Nickel. C'est bon pour la voiture. Marché, là. Ah, mais bon. Oui, c'est bon, vas-y, c'est bon. Vas-y, on y va. Vas-y, remonte. On y va. Allez, venez avec nous chez madame Jackie. Mais bien sûr, nous arrivons, on veut manger cette mousse au chocolat. C'est juste là. Gare-toi chez madame Jackie. Oh là là. Ouais, garez-vous ici. Oh, très belle maison madame Jackie. Ah madame Jackie, c'est une demeure qu'elle a. Ah ouais. Allons manger chez madame Jackie. Putain, un tournure que prend l'épisode, j'en reviens pas. Faudra peut-être lui demander si son pote s'appelle Michel. Vas-y. Madame Jackie, on avait une petite question. On avait une petite question qui nous trottait la tête. Qu'est-ce qui vous trotte? Allez-y, monsieur Béchard. Allez-y, monsieur Béchard, n'hésitez pas, allez-y. Hein. Allez-y. Tapez dedans. Rentrez dans mon jardin, allez-y. Allez-y, entrez dans le jardin, madame Jackie. du jardin, le jardin. Faites attention. Ouh, il arrive à faute balle. Ouh, alors. Oh là là. Oh non. Monsieur Béchard. Oh non.
Alors là on est bien. Mais c'est quoi cette maison aussi mal située? C'est quoi ce Range Rover qui a pas de patates là? Ah bah, moi je dirais là vous êtes bloqué dans mon muret, je crois que je vais garder le véhicule. Faut demander à Michel s'il est d'accord. Je vais vous aider monsieur Béchard, restez calme. Ah merci. Vas-y, on demande à madame Jackie si... Vas-y, madame, qu'est-ce que ça? Viens demander à madame Jackie nous faire faire un tour de sa voiture. Nous envoyer au 7ème ciel avec sa voiture. Vas-y, vas-y. Madame Jackie, madame Jackie. Est-ce que il serait possible que on puisse faire une petite virée avec votre voiture de sport là-bas là? Ouh, la voiture de sport, c'est une voiture de sport, mais... Oh, le camion de la société, monsieur Béchard, attention. Je les connais pas du tout, ces gens-là. Mais la première, elle passe pas. Allez. Allez-y, monsieur Béchard, allez-y. Tapez dedans. Attendez, démarrage en côte. Tape dans le trou, je vois ta mère. Ah, démarrage en côte, il passe. Voilà, on y va. Ouais, bah après. Non mais attendez, on va manger, on va pique-niquer chez madame Jackie. Mais oui, oui, il faut... Est-ce que Michel est présent? Ah non, il n'y a pas de Michel ici. Ah, je... Ouais, non, d'accord. Ah d'accord, autant pour moi. Il y a monsieur Béchard. Il y a un piano. Allez madame Jackie, faites-nous goûter votre repas aujourd'hui. Allez, venez. Ah, allons-y. Oh, c'est sympathique. Oh, c'est très très beau. Très très beau, ça me convient. Oh là là, mais je voudrais bien avoir une maison, moi. Non, mais... Moi, je voudrais juste avoir madame Jackie. Moi j'aime beaucoup, là. Et attendez, ici, il y a la chambre pour faire des bébés. Des bébés. Des bébés, faire l'amour. Des bébés ou se faire bouffer le fion? Oh, oh madame Jackie, madame Jackie. Je vous laisse faire ce que vous avez à faire. Bah attendez, je vais chercher les saucisses à faire cuire au barbecue. Ouais, je demande quelles saucisses. Grosse saucisse, hein. Madame Jackie. Eh bah allons-y. Grosse saucisse pour les bons gaillards. Attendez, je prends ça. Oh, je prends le saladier. Vous avez un joli piano, madame Jackie. Comment? Vous avez un joli piano, hein. Bah si vous voulez faire quelques notes, vous pouvez y aller, hein. Je l'ai réparé. Oh là là, s'il fonctionne. Ah mais alors, bien sûr, hein. Ah c'est pas mal, pas mal. Ah non, bah très bien, madame Jackie, ici, faut pas... Bon, on prend votre télé, va falloir penser à la changer, hein. La maison, je la pourquoi donc, bien, tant qu'elle fonctionne plus, Attendez, vous avez pas trouvé, monsieur Béchard. Il y a l'extérieur qui... Oh là là. Ah oui, oui, je veux voir l'extérieur, moi. Des cassettes. J'ai le magnétoscope et tout ça. Ah oui, pour les films porno, c'est plus sympa, ouais. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve? Oh là là, monsieur Béchard. Monsieur Béchard est à... Oui, ouais, effectivement, il est très ouvert avec madame Jackie, hein. Ouais, on va s'entraîner en attendant les réunions de l'ex-directeur, hein. Voilà, monsieur Béchard, pourquoi votre baguette est ouverte? Qu'est-ce que vous racontez? Arrêtez, regardez-moi ça. Oh là là, le zigbee. Ouais. Sous les soleils des tropiques, viens danser. Oh les tropiques. Madame Jackie, pourriez-vous vous montrer votre extérieur, s'il vous plaît? Ah, monsieur Luciano, ça me donne envie d'organiser une petite soirée au dépôt de bus, moi. Oh oui. Une soirée érotique. Oh, jolie danse, hein. Allons dans le jardin. Nous allons aller dans le jardin. Je vous suis. On va manger les saucisses? Ah bah après vous, madame Jackie. Pourquoi ça part en séance? Venez, monsieur Luciano. Il y a une bonne grosse saucisse qui vous attend. Ça part en vrille, là. Ça part en vrille. Qu'est-ce qui se passe? J'étais venu au début, on roulait juste pour aller voir des policiers. Ouais. Non, plutôt... le jardin. Tringlé. Mais il est énorme, le jardin. C'est ce qu'elle disait. Ah ouais. Oh, c'est mal barbecue, hein. Ah ouais, ça effectivement, là c'est du Weber, hein. Oui, non, effectivement, là c'est du haut de gamme. Ah bah écoutez, faut se faire plaisir dans la vie. Ah bah, madame, oui, madame Jackie. Ah, vous savez, nous avec mon pote, on roule en première voiture, en scénic, enfin pas en scénic, mais en express, hein. Donc c'est... Express, voilà. Écoutez, l'express était très bien, moi je l'aime bien ce véhicule, hein. Ah bah pour débuter, c'est pas mal, hein. Moi je trouve bien un très beau bruit. Les médecins, ça doit payer, hein. Bah écoutez, faut dire que madame Jackie a quand même un travail à côté. C'est Jackie Récupération Auto. Elle rachète toutes les autos. Ah ouais, d'accord. Ah, okay. D'accord. Est-ce que vous rachetez les pièces aussi, madame Jackie? Malheureusement, les pièces, je les récupère par terre. Hein. Mais je connais quelqu'un qui rachète les pièces, oui. Ah, alors là, par contre, je trouve ça intéressant. Qui est ce monsieur ou cette madame? Est-ce que vous connaissez monsieur Sachi? Ah non, pas encore. Vous avez entendu? On ne le connaît pas encore. Il est chez AMC Motor, c'est juste derrière la concession. Vous auriez son numéro? On achète les véhicules. Oui. Pourriez-vous me le donner, s'il vous plaît? Oh là, qu'est-ce qu'il y a gentil, madame Jackie.
Alors, j'aime ça, moi. De quoi noter ? Oui, je vous écoute. Ah, attendez, j'ai juste un appel, attendez. Hein. Mais José. José. Récup de pièces. José Garcia. Genre. Vous croyez que c'est drôle d'être caché dans un buisson, monsieur Béchard ? Oh, monsieur, si elle veut arrêter, vous êtes venu avec moi. On prend la voiture de sport et on se taille. Non, mais attends, parce que si elle a un contact effectivement qui peut racheter les pièces de voiture, vu les pièces de voiture qu'on a trouvées tout à l'heure près du truc, on ramasse tout, on revend tout de suite. Hein. Vas-y. On gagne du temps comme ça. Hein. Une serviette de bain. Ah, c'est pas oui, mal. Bah, ça, là ça va, non, on est pas trop. Ah, moi j'adore un petit balustrade, dommage qu'on passe à soir. C'est ce qu'elle disait. Ah, ouais, on peut pas se voir. C'est pas gagné loin. Chez moi. Ça part fragile. Je suis caché. Monsieur Chiano, vous êtes où là? Ils sont encore cachés, monsieur Chiano là. Et madame Jackie, vous avez dû vous faire de l'argent, vous avez revendu tous vos véhicules là. Ça part en totalement. Pas plus tard, José. Bah écoutez, j'essaie de vendre au prix juste, hein, sachant que je me fais un bénéfice moindre. Mais moi, ça me fait plaisir de vendre des véhicules arrêtez, d'occasion. Arrêtez, hein. Non. Et madame Jackie, sans discussion, c'est combien votre maison? Comment? Vous l'avez acheté combien votre maison? Il me semble que je l'ai acheté 175 000 euros. Oh là là, c'était le bon vieux temps, ça. Ah bah c'était le vieux temps où les maisons étaient encore disponibles. Hein. Du coup, est-ce que je peux avoir le numéro de téléphone, s'il vous plaît? Ah oui, alors attendez, je vous le sors. Ça va être quoi, madame Jackie, elle doit avoir un agenda. Alors, 06-90. Oui. Ah bah c'est la 75-70-87. Eh bah écoutez, merci beaucoup. Sachi, ok, ça marche. Monsieur Sachi. Dernière nouvelle, semblait qu'il en recherchait. Hein. Monsieur Sachi des bulles. La question. La blague de merde. Putain. Ouais, ah, monsieur Sachi, c'est le meilleur. Je vais tenter de lui passer un coup de fil rapidement. Monsieur Sachi, il recherche quoi? Il achète des pièces usagées. Vas-y, viens Hugo. On va tenter de passer un coup de fil. Contact. Ah, il n'est pas en ville. Par contre, faut ramasser toutes les pièces qu'on a vues là. Et mettre stocker ça dans le coffre de ta voiture ou de la mienne. Et comme ça, on pourra tout revendre demain. Vas-y. Mais là, le problème, c'est qu'on est en invité chez Madame Jackie, on va pas pouvoir s'en aller comme ça. Parce que on dit qu'il y a une urgence. Attends, sinon, on lui demande de nous prêter sa voiture de sport, le temps qu'on fasse un dernier tour rapidement. Vas-y. Madame Jackie, s'il vous plaît. Trois grosses saucisses. Trois grosses saucisses et j'arrivais encore à parler un petit peu. Ok, alors. C'est Jackie. Madame Jackie, s'il vous plaît. Du coup, on a un filon justement pour récupérer plein de pièces qui étaient à l'abandon pour revendre à monsieur Sachi des bulles. Et le truc, c'est qu'il faut absolument qu'on aille rapidement là-bas sur place. Est-ce qu'on peut vous emprunter votre voiture de sport le temps de faire l'aller-retour? Carrément. Vous êtes prêt pour qui là de demander ce genre de choses à madame Jackie? Ah non, mais elle vient avec nous. Ah, mais d'abord, comment une saucisse? Comment manger une saucisse déjà? À deux dans une voiture. Ah, effectivement. Bah, sinon, on y va tous les deux et on. Bah, oui, parce que. Le problème, c'est que là, les pièces vont disparaître. Il y en a tellement qu'il faut absolument qu'on y aille. On a moyen de faire un peu d'argent. Mais nous, on n'est pas aussi à l'aise que vous, on va dire, financièrement. Vous avez tout le monde besoin de votre sport. Camionnette. Bah, le problème de la camionnette, c'est que le capot ne ferme plus. Le capot ne ferme plus. Si vous voulez, les portes, elles ne ferment plus. Les portes, elles ne ferment plus. Oui, non plus. Vous allez voir. Après, c'est un camion, il y en a en vente là, les garçons. Hein. Eh bah, on va faire un tour rapidement, on va tenter avec notre camion. Et puis, Et là, combien d'ailleurs? Vous avez un camion en vente, madame Jackie? Oui, le camion bleu là. Oh, pas mal! Et vous vendez combien? Alors, attendez, 36 990 euros. Ah oui, 6 990 euros, j'aurais pu les sortir, mais les 30, c'est compliqué. Attendez, si vous mangez une saucisse, ou deux, côté pour la maison. Elle vous donne deux ou trois saucisses et que vous les mangez avec la mousse à chocolat, peut-être. Et vous fera baisser le prix. Je peux peut-être faire baisser de 10 euros. Hein. Oh. Pour une grosse saucisse. Bon, allons-y, et nous, on doit récupérer des pièces. On vous retrouve tout à l'heure, madame Jackie, si ça ne vous dérange pas. Allez, attendez, choper des pièces. Faites attention. Allez, hein, salut. Salam. Allez, venez, les garçons, on va bouffer les saucisses. Ça partait en truc porno, là, j'étais pas serein du tout. J'avoue, ça allait partir. Vas-y, viens, on taille. Par contre, très bon contact qu'elle nous a donné. Hein. Ouais.
On a tenté pour la bagnole, hein. C'était qu'un peu de bol. Ah ouais, c'est chier. Donc mec, il faut absolument qu'on retourne du coup. tu sais, à l'espèce de station service tout à l'heure là. La station service, ouais. Bah ouais, là-bas il y avait plein de pièces, on récupère tout ça, on stocke tout dans ton camion. Bah non, pas le camion de la société plutôt. Non, non, dans ma bagnole à moi, et demain j'en revends tout. Vas-y. Bah de toute façon, le camion de la société est à moi, donc t'inquiète pas. Vas-y, fonce. Plus y'a les flics, vas-y. Non, non, y'a les flics. C'est génial. On vous applaudit tous les soirs à 20h. Le capot est ouvert là, hein. Je sais pas si vous savez. Ah mais elle a toujours pas de bras. Elle a toujours pas retrouvé ses bras. Toi, va te faire. Vas-y, roule. Vous avez un problème, monsieur. Le capot, monsieur. Ah oui. Encore, ça me suit. Je sais même pas qu'il y a un escalier. Vous êtes... On se dirait à rouler avec un capot ouvert. C'est une nouvelle technique. Ah oui, à 300. On teste une nouvelle ergonomie. Vous descendez, vous le fermez s'il vous plaît. Bien sûr. On va s'arrêter et on va le fermer. Vas-y. Oui, bah, de suite. Vas-y, ça marche. Je m'y colle. Merci. Je vous en prie. On vous souhaite une bonne journée. De même, en espérant que la dame retrouve ses bras. Oh, nous, on a besoin de passer. On a besoin de passer par là, nous. Vas-y, vas-y. On circule. J'en peux plus. On a besoin de passer là. Marche arrière comme ça, monsieur. On a besoin de passer. Vous pouvez pas. Monsieur, vous passez pas devant là, vous le voyez bien. Ah bah là, c'est chier là. On va faire le tour. Vous avez des problèmes de vue, non? On a besoin de passer là. Il lâche rien. On va faire le tour, c'est pas grave. Merci beaucoup, monsieur les agents. Mec, on va faire un truc. Vas-y. On va faire le tour et en revenant, on rouvre le coffre. Enfin, pas le coffre, mais le capot. Et on roule juste à côté. Comme si de rien n'était. Merci d'abord, on va quand même se rendre là-bas. Il y a des fesses à récupérer, faut qu'on y aille pour se faire un peu de fric. Ouais. Ah la camionnette roule plus? Ah certainement la bougie d'allumage. Vas-y, roule, c'est bon, ça passe. Je veux que ça passe. Oh putain ouais. Si on débloquait pile poil là, c'est parfait. Parfait. Allez, on va bloquer. Bon vas-y, viens on s'en va. Viens on s'en va maintenant. On va acheter de nouvelles pièces, vas-y, ouvre le moteur. Ouvre le capot. Ah, effectivement, c'est bien les pièces, bien la bougie d'allumage. Hein. Encore? Oh non. Ah, bah y'en a deux même à acheter cette fois-ci. On peut récupérer alors? Ouais, c'est fait, c'est récupéré. Par contre, ferme. N'oublie pas de fermer le moteur, sinon on peut te verrouiller la voiture. Sinon, on peut te les voler les autres pièces. Ça serait qu'on rachète un moteur. Bravo. Tu vois, madame Jackie, elle nous aurait prêté sa. Attends, regarde, y'a un mec qui arrive. Vas-y. Fais genre d'être un ouvrier qui cherche des outils. Ouais, alors, l'échelle, tu l'as ou pas? Je l'ai. Le marteau? J'ai pas, vas-y, prends-le. Ah, je prends le marteau. La disqueuse? Prends la disqueuse aussi, s'il te plaît. La disqueuse aussi, mais je vais pas tout porter. Bon, le maître, tu l'as? Ouais, c'est bon, je l'ai, le maître. Le maîtreur laser? Le quoi? Le maîtreur laser et l'escaveau? Ouais, le sabre laser aussi, s'il te plaît. Le sabre laser, ok, ça marche, c'est noté. Est-ce que t'as aussi l'escaveau? L'escaveau à trois marches? Bonjour? Vas-y, ouais, s'il te plaît, je l'ai, c'est bon. Je prends le 3 marches aussi. Ouais. On est un petit peu tombé en panne, donc on cherche des outils pour se réparer. D'accord. Ouais, c'est... Sabre laser. Monsieur, un sabre laser, comment ça peut vous aider? Ok, monsieur. Oui, disons qu'on a eu une petite panne, et du coup on cherche des outils pour réparer notre voiture. Une panne de quoi, monsieur? Bougie de d'allumage. Je regardais si je pouvais ouvrir le capot. Bien sûr. Ouais. J'en ai volé deux. Oh, c'est super sympa, merci beaucoup. Oh là, ça devrait le faire. Super, merci beaucoup. Pas de problème. Vous êtes super. C'est bon, c'est nickel. Vas-y, roule, c'est bon. Merci beaucoup. Merci.
Maintenant, on va récupérer les pièces. Ensuite, on repart devant les flics avec le capot ouvert. L'épisode s'appellera Nouvelle méthode de conduite. Allez, c'est clair, vas-y, je suis chaud. C'est abusé. Les pièces ont déjà été. Ah, les pièces ont déjà. Là, ouais, chez tout le monde. Ah, y'a encore des pièces par terre, vite, faut la récupérer. Oh, super, vas-y, 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 mec, récupère, récupère. Vas-y, garde-toi au mieux, on s'en fout. Allez, je prends les 3 places. Voilà, parfait. J'ai plus de place, mec, j'ai plus de place. Les flics sont passés, ils ont rien dit. On est carrés comme des merdes, ils disent rien. On met ça où du coup ? Bah, je me demande, j'ai peur que le camion d'entreprise, s'il est rappelé par le chef d'entreprise, justement, qu'on perde notre matos. Donc, j'aurais tendance à mettre ça dans ma bagnole. Mais je sais pas où aller. Bah, elle est où ta bagnole ? Bah, elle est au bungalow. Elle est au bungalow. T'as ramassé les pièces par terre ? Vas-y, vas-y, mec, on fonce au bungalow là. Vas-y. Je te dis que t'es. C'est trop du rap de merde. Là, j'avoue. Ok, on y va, on y va, on y va. Les flics qui disent rien. Les flics qui disent rien. Les flics qui en ont tellement marre de nous qu'ils disent pas rien. Les flics qui disent plus rien dans nos marres. Par contre, t'as vu, mec, trop sympa, il nous a fait des bougies d'allumage. Vas-y, tape un gros drift chez Jojo. Oh, il est en capuche, mec. Ah ouais, ouais. Oh! Jojo, il serait fier de nous, mec. Jojo! Vas-y, viens, on va déposer les pièces dans mon véhicule. Putain, on l'a planqué où? On l'a planqué où le véhicule? Mec, on l'a planqué où le véhicule? Si, je sais. Vas-y, 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 parce que moi j'ai déjà oublié. On l'a mis là, la du fond. Ah oui, c'est vrai. Oui, bonsoir. C'est les pires conducteurs du monde. Vas-y, fais tout péter, mec. Ouais, par contre, je peux pas ouvrir ton coffre. Attends, je suis dedans, c'est pour ça, je pense. Si, inspecter le coffre. Ouais, donc, j'ai été payé de 2460€. Oh, beau. C'est beau, ça. Et si avec ça, on se fait pas d'oseille, je comprends plus rien. Ouais, franchement, ouais. Avec tout ça, là, on va se faire d'oseille, hein. Ouais, là, faut qu'on... Faut... Bon, moi, ouais, c'est rempli. Bon. Ouais, bah parfait pour moi. Ça sera notre petite réserve. Vas-y. C'est bon, j'ai reverrouillé. Tu sais, mec, que je suis déjà à 11 000€. Ah oh, ouais. Pas mal. Plus c'est 5 600 que j'ai sur moi. Ah la vache. Non mais là, je suis trop bien. Hein. Attends, il faut que je mange, Vas-y, mec, vas-y, mange. T'as de quoi manger sur toi? Ouais, c'est bon. Vas-y, roule. Attends, la police, vas-y, suis la police, vas-y, suis la police. Vas-y, mec, on est détective privé, il faut qu'on suive la police, voir sur quelle enquête ils mènent et tout, tu vois. Tout à l'heure, j'ai pu prendre des photos, je vais pouvoir les revendre. Doucement, fais pas cramer. Vas-y, roule pas. Dès qu'on s'approche trop, on parle de paprika. Vas-y. Paprika et cassoulet. Paprika et cassoulet, exactement. Et Philippe, et je te baise. Ah, oh, nickel. Ouais, donc tu vois le. Que... Non, le paprika, je suis pas fan. Ah, paprika, non, je suis pas très fan, mais c'est vrai que dans le cassoulet, moi j'aime beaucoup. De toute façon, à partir du moment où tu mets des épices. Mais qu'est-ce, pourquoi est-ce gars là encore? Bon, à partir du moment où tu mets des épices, moi ça va très bien. Hein. Bonsoir, ah, monsieur. Ouais, c'est pas quoi, sérieusement. Vous comprenez pas quoi? Quand en vous fait, dites le paprika capot. Avec le cassoulet, moi, je dis que non, ça apporte un goût très léger et... Vas-y, roule. Vas-y, mec, tu roules, on s'arrête, on ferme le capot et on fait genre de rien.
Vas-y, tape une pointe. Tu fermes le capot, vas-y, garde-toi dans le champ. Vas-y, garde-toi, on s'en fout, dans le champ là. Où tu veux, peu importe. On ferme le capot vite avant qu'il arrive. Vas-y, roule. Roule, vas-y, arrête-toi, ferme le capot vite. Vite, vite, ferme le capot avant qu'il arrive, vite. Vite. Ah, c'est bon. Roule au pas comme si t'avais rien fait. Putain, mec, en vrai, on aurait peut-être te taper une pointe. Hein. Si, si, il arrive. On roule au pas, style de rien. Tu veux que je tape une pointe? Non, vas-y, vas-y, je fais genre de rien, on a fermé le capot. C'est bon. C'est bon, c'est bon, on a rien fait, il a aucune preuve. On l'a fermé comme par hasard. Monsieur, bonjour. Oui, contact, s'il vous plaît. Bonsoir, police monsieur. Nationale, procéder à un petit contrôle. Bien sûr, pas de soucis, comment ça va? Ça va, monsieur, vous pouvez descendre, s'il vous plaît? Bien entendu. Qu'est-ce que c'est-il? Ah, le capot. Bah il est fermé le capot. Ouais, il était ouvert tout à l'heure. Ça fait trois fois que vous passez à côté de nous avec le capot ouvert, monsieur, c'est de la provocation. Non, on essaie de... Mais bien sûr, pas souci. On essaie simplement de se faire un peu d'argent. C'est possible. Non, mais monsieur, oui, c'est Patrick, c'est bien ça? Oui, tout à fait, c'est bien moi. Vous êtes pas recherché? Ah, mais pour quelle raison? C'est bizarre, si je suis recherché, sincèrement, je l'apprends et je veux savoir pourquoi du coup. Mais non, j'ai un casier judiciaire. Ah oui, d'accord, pardon, je pensais que vous m'appreniez quelque chose. Non, je suis pas recherché. J'ai un casier judiciaire aussi vierge que ma sœur. Parfait, monsieur, tout est bon pour vous. C'est à qui le véhicule? Je ne sais pas. C'est le véhicule d'entreprise. C'est mon entreprise. D'accord, quel nom alors? Bien sûr, on peut ouvrir le coffre, pas de problème. Ouvrir le coffre. Ah oui, bah j'ai ouvert le coffre, regardez. Il est ouvert. Ici, monsieur. Oh, il se met à l'aise, carrément. Ah, ici. Monsieur. Oui? Ici, là. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ouvrir le coffre, s'il vous plaît, je ne vous ai pas demandé les portes arrière. Vous ne savez pas non plus, nous venons de l'apprendre, là. Oh. Bon allez messieurs, pour une fois, cette fois-ci ça va, juste vous arrêter oral et la prochaine fois ce sera une verbalisation pour conduite dangereuse. C'est très sympa, merci beaucoup. Sachez qu'on vous applaudit tous les soirs à 20h. 90€ d'amende et 2 points moins sur le permis. Hein. Ah. On vous applaudit tous les soirs à 20h. Vous le dites depuis ce matin monsieur, on a compris. Merci. Ouais, je vous répète, vous n'avez pas l'air d'avoir compris. Donc si on vous le répète depuis ce matin, on va procéder à la verbalisation alors. Ah mais non, mais c'était histoire de vous encourager. Vous venez de me dire qu'on vous le répète depuis ce matin. C'est-à-dire que vous n'avez pas compris. Non, vous, depuis ce matin, on répète qu'on vous applaudit, parce que c'est important de vous montrer notre soutien. Je pense que la police France a très mauvaise réputation, et malheureusement, nous, on essaie de faire changer les choses, justement. C'est pour ça qu'on le répète aux gens, en mode applaudissez-les quand même, ce sont des gens très bien. Okay. On vous applaudit tous les soirs à 20h. Mais oui, tous les soirs à 20h, on prend le temps. Allez, on y va, Jackie. Merci beaucoup. C'est pas arrivé. Ah j'en veux plus, c'est pas possible. J'en veux plus. Ah j'en veux plus, putain je pleure. Vas-y, maintenant tu vas t'arrêter et referme tout. Faire genre, vas-y arrête-toi, ferme tout, vite. Ferme le capot. La voiture s'arrête pas, voilà. C'est bon. Encore un problème de moteur. C'est pas possible. On va bien. Le pauvre. C'est chiant l'alarme. Ah ouais, l'alarme est chiante par contre. Hein. C'est le moteur, je crois. Bah, il y a un barrage de ce côté-ci, un barrage de l'autre côté. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Vas-y, roule, tape une pointe, vas-y. Ah merde! Quitte le véhicule! Quitte le véhicule! Et sort de la bagnole! Oh, ça va! C'est bloqué! Oui? Bonsoir? Bon, monsieur. Moi? Il est où le collègue? Mais il s'est barré l'autre? Ah, je ne sais pas, moi je ne suis seulement que passager, je n'ai rien fait. Notre véhicule est totalement en panne. Montez dans le véhicule tout de suite, monsieur. Bah, bien sûr. Tout de suite. Non. Ah, pardon, excusez-moi.
Bougez pas, je ressors. Ah, je ne peux pas ressortir. Ah si, attendez. Elle a rien. Mais je n'ai rien fait, je ne suis que passager. Attends, on va essayer de trouver l'autre, il est pas loin. Bon, c'est un peu parti en couille là, pour être honnête, mais du coup, je me retrouve bloqué dans la voiture. Je viens de finir en tôle, donc je vais essayer de m'en aller, mais malheureusement, c'est compliqué. Donc, je suis enfermé dans une voiture. Donc, un peu compliqué, mais bon, écoutez, là, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Ça finira sur cette scène un peu épique et où je finis dans une bagnole. Donc, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé ces petites vidéos. Je vous encourage à vous abonner, lâcher un petit commentaire, le petit pouce bleu. Et puis, je pense qu'on va pas s'arrêter là. Merci beaucoup. Ciao, ciao.